Pour tout le monde, je laisse les derniers retardataires s'installer. Moi, je suis de l'Office national des forêts, je m'appelle Françoise Lefayère. Et nous vous avons convié à cette conférence enthousiasmante sur le thème art et forêt, car lundi prochain, c'est le 21 mars. Et le 21 mars, c'est la Journée internationale des forêts. C'est une journée qui existe depuis 2012, donc c'est la 10e édition. Et c'est vraiment l'occasion de taper un grand coup pour cette journée-là, pour les équipes de l'ONF, mais pas que, pour vous faire mieux comprendre la gestion forestière, la biodiversité, la faune, la flore, pour les petits également. Et c'est en ça que nous nous sommes posés, 3 jours à Paris, à l'Académie du Climat. Je vous présente Serge Rue qui parlera après moi, pour des ateliers pour petits et grands. Mais cette manifestation a une ampleur aussi nationale, hein. C'est 120 animations partout en France, également outre-mer, où l'ONF et les équipes organisent également ateliers, débats, conférences. Serge, c'est à vous. Merci à vous, avec Sarah, la directrice générale de l'Académie du Climat, et moi-même qui ai eu le bonheur d'apporter la petite graine qui a permis la naissance de cette Académie du Climat, voulue par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ça fonctionne vraiment bien. Je peux vous assurer que ça pollinise vraiment bien. Il y a maintenant un peu plus de 8 mois d'ouverture, presque 9. C'est l'enfantement d'un lieu où on ne fait pas simplement qu'éduquer, on donne la possibilité aux jeunes, aux enfants et aussi aux boomers que nous sommes, d'avoir envie de lutter contre la fatalité de la lutte pour préserver la biodiversité, pour préserver notre climat, pour préserver notre santé, tout simplement, et puis pour bien vivre sur notre planète. Alors, cette conférence est formidable. Vous imaginez un samedi après-midi, plus de 15 heures, il fait grand soleil, et vous êtes là nombreux, donc vraiment bienvenue, nous accueillons chaleureusement. Et si cette conférence a trait à l'art et la nature, tout simplement parce que la nature en fonde la vie et que sur Terre, il n'y a que les artistes qui inventent la vie. Bienvenue, portez-vous bien et continuons notre combat. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue à tous. Nous ne nous attendions pas à ce que vous soyez en effet si nombreux un jour de beau temps qui vous aurait peut-être permis justement une très belle promenade en forêt. Je suis donc la modératrice de cette rencontre qui va lier art et forêt autour de 3 artistes. Bienvenue à tous. Dans le cadre, comme cela vient d'être dit, donc de la Journée internationale des forêts. Par ordre alphabétique, j'accueille l'artiste Fabrice Hibert, les artistes Fabrice Hibert, Eva Jospin et Vincent Laval. J'accueille également Éric Goulouzel. Alors, je suis obligée de lire le titre, directeur territorial Seine-Nord, donc de l'ONF. Cela veut dire concrètement qu'Éric gère toutes les forêts, non seulement de l'Île-de-France, de Normandie, mais des Hauts-de-France. Voilà, donc il a une connaissance très approfondie de ces territoires. Et c'est lui qui va, avant justement de plonger dans l'art, qui va nous dire quelques mots sur les forêts aujourd'hui. Pour ma part, je m'appelle Alice Audouin, j'ai une activité associative avec Art of Change 21, et aussi une activité de commissaire et d'art advisor, de conseil aussi. Et à cette occasion, je suis ravie d'ailleurs d'annoncer une collaboration également avec l'ONF dans le cadre d'une exposition que j'organise qui s'appelle NovaSen. Et donc, on va créer une sorte de forêt particulière, justement. Donc, l'aventure de l'art et de l'ONF a plusieurs rendez-vous. Fabrice Hibert, donc Fabrice que j'appelle maintenant le grand Mamamouchi parce qu'il est académicien des Beaux-Arts, ambassadeur du fonds de l'ONF Agir pour la forêt, en plus d'une carrière extrêmement, j'allais dire longue, non, il faut que je change, florissante, riche d'arborescence. Eva Jospin, donc...
Vous avez, vous êtes au cœur d'un phénomène actuel qui s'appelle le succès de l'exposition Galeria au musée de la chasse et de la nature. Je pense qu'il va falloir se lever demain à 4 heures du matin pour défier la file d'attente et avoir une chance de voir le dernier jour de l'exposition. Il y en a qui rigolent, oui, donc ça veut dire qu'il y en a déjà, oui, qui ont déjà dû voir la taille de la file. Voilà. Et donc, je vous invite à faire cet effort matinal pour vraiment, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, justement découvrir cette exposition dans ce lieu et qui, bien évidemment, montre à la fois des forêts, mais pas que, avec tout un monde également minéral, une architecture. Eva, vous avez aussi, et je pense à Beau Passage, en regardant devant moi aussi, fait de très nombreuses installations dans Paris, ailleurs, à Chaumont-sur-Loire. Et donc, vous êtes aujourd'hui, et même on a parlé de vous récemment dans la mode. Vous avez une activité et une actualité extrêmement riche. Vincent Laval, je fais une toute petite anecdote personnelle parce que je suis obligée de raconter quand même comment j'ai rencontré Vincent Laval. Une personne qui s'appelle Claire Nouvian, que vous identifiez peut-être, qui est la présidente fondatrice de l'association Bloom, un jour de grand énervement dit « Retrouvons-nous tous sur les quais de Seine pour parler de justice sociale et d'environnement ». Et on s'est retrouvés dans un petit groupe de 25 personnes autour de Claire. Et Vincent était là, étudiant aux Beaux-Arts. J'ai eu de la chance de le connaître avant que son ascension extrêmement rapide, dès la sortie de l'école, avec déjà une exposition personnelle à la Galerie Sono, une exposition aussi chez Agnès B, ne le fasse remarquer. Et votre particularité à tous les trois, c'est que vous serez également au cœur d'Art Paris. Vous êtes chacun dans les sélections des commissaires. Eva est dans la sélection d'Alfred Pacman. Et étant également commissaire invité d'Art Paris sur le thème art et environnement, eh bien, j'ai le grand plaisir d'avoir Vincent et Fabrice dans ma propre sélection. Donc si vous visitez Art Paris, vous aurez l'occasion de voir une exposition personnelle de Vincent et des œuvres également des autres artistes. Sans attendre Eric, alors j'avais essayé de chauffer l'ambiance, j'ai peur qu'elle refroidisse parce que le constat de la forêt, vous m'avez donné un chiffre, le fameux 9% qui m'a glacée. Mais on va quand même mettre cet échange sous le signe de l'optimisme, et donc je vous laisse faire une introduction dans le cadre de cette journée internationale des forêts pour nous décrire justement un petit peu l'état des lieux des forêts. Merci Alice, bonjour à toutes et à tous. Finalement, glacer, c'est plutôt bénéfique dans ces temps de réchauffement, mais je vais dresser un tableau très positif de l'état de la forêt aujourd'hui. Sauf si on regardait d'avion ou de satellite, vous le savez tous, la surface forestière en France métropolitaine s'accroît d'année en année. Mais si on y regarde d'un peu plus près, vous êtes sans doute des promeneurs en forêt, il y en a beaucoup autour de Paris, des forêts domaniales bien connues. Si on y regarde d'un peu plus près avec un regard un peu attentif, Alors, difficile parce que ça se passe surtout dans la cime des arbres. Le problème qu'on constate aujourd'hui, c'est le dépérissement considérable des arbres forestiers, globalement dans toutes les forêts de France aujourd'hui. Le châtaignier disparaît en Île-de-France, victime d'un champignon. Le frêne, un autre champignon, disparaît également, comme on a connu pour certains d'entre vous la disparition de l'orme. On va peut-être être les derniers à voir des frênes. Certains chênes dépérissent, les pins sylvestres à Fontainebleau sont en train de mourir, les hannetons sont en train de manger, pendant qu'on parle, toutes les racines des arbres de la forêt de Compiègne. Les scolytes mangent des épicéas. Vous connaissez sans doute ce qui a été propagé aujourd'hui par la presse, mais qui met aujourd'hui la forêt dans un état assez inquiétant.
inquiétant pour les forestiers, inquiétant pas encore pour vous les promeneurs, mais inquiétant pour l'humanité, puisque les forêts sont victimes du réchauffement climatique. Je ne dis pas que tous les ravageurs et autres cataclysmes que je viens de citer sont la conséquence parfaite du réchauffement climatique. Le hâton, par exemple, sont des cycles tous les 100 ans. Mais globalement, on n'a jamais vu une telle concentration de problèmes, et sans doute les changements climatiques y sont pour quelque chose. Donc les forêts vont très mal, victimes des réchauffements climatiques, alors même qu'il est attendu d'elles qu'elle soit une des solutions pour en atténuer les effets, évidemment, par la séquestration du carbone issu du CO2, issu de ce qu'on appelle la photosynthèse. Grand capteur de CO2, la forêt, mais grand capteur de CO2 uniquement si elle est vivante. Voilà. Une forêt morte, ça capte beaucoup moins de CO2. Donc le défi, notre défi à nous aujourd'hui, l'ONF, c'est de revitaliser cette forêt pour qu'elle continue à rendre les services qu'on attend d'elle. Merci beaucoup, Eric. Alors, dans l'univers de l'ONF, pour ceux qui connaissent un peu la maison, il y a souvent des profils types. Eric n'a pas un profil type, il est architecte paysagiste, avec un rapport aussi particulier à l'art. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous. Fabrice, je fais un ordre alphabétique, Voilà, on va démarrer par une image de, j'allais dire tu, mais je me reprends, je te vous sois, donc de votre forêt. Comment est-elle née? Alors, quelques mots sur cette incroyable histoire. Bon, merci beaucoup, Alice. En fait, cette forêt, c'était au départ, c'était un endroit où je suis né, où j'ai grandi, qui était fait de champs agricoles. Et puis autour, il y avait le démarrage de cette agriculture intensive dans les années 70 qui faisait peur, avec ces champs de maïs et tout ça. Donc je me suis dit, pour protéger ce territoire qui m'avait beaucoup inspiré et fait vivre et fait découvrir la vie, je me suis dit, je vais l'acheter, je vais en faire une forêt. Et puis en faisant la forêt, en fait, j'ai fait plusieurs tests. En fait, c'est un lieu d'expérience, c'est comme un grand atelier. Et on a pensé à planter avec mon père, planter les arbres. Et puis après, j'ai imaginé pouvoir semer la forêt. Et semer la forêt, pourquoi? Parce que c'est simple, on peut mettre beaucoup de graines différentes et tout ça. Puis en fait, les graines aussi, elles sont très fortes, puisque dès que la graine est dans le sol, elle va savoir exactement quels sont les aliments qu'elle a besoin autour d'elle et pour se développer. Et puis en faisant cette forêt, je me suis dit, je vais mélanger toutes les variétés de plantes, parce que j'avais peur de ce réchauffement climatique aussi. Parce que je me disais, au moins, s'il y a tout là rassemblé, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vont sauver. À ce moment-là, j'avais fait une œuvre à l'Arc de Triomphe, qui s'appelait inconnu.net, où j'avais fait un site internet, et j'avais mis autour de l'Arc de Triomphe des arbres, et je voulais des arbres qui correspondent à un arbre futur qui se développerait en Île-de-France. Et j'étais allé voir Gilles Clément à ce moment-là, il m'a dit, sans doute le bouleau se développera davantage que les autres plantes. Alors donc j'avais mis 100 bouleaux autour de l'Arc de Triomphe. Et donc j'avais cette inquiétude-là, et donc j'ai semé dans la forêt des 900 variétés d'arbres différents, avec des fruitiers, des tas de choses comme ça. Et en fait, on voit avec l'évolution de cette forêt, en fait, avec dans des endroits différents, parce que le territoire est très très multiple, avec de l'eau très humide, très sec, très très terreux, très rocailleux, tout ça. En fait, ici, là, par exemple, sur cette image-là, c'est dans un endroit très rocailleux. J'ai mélangé toutes les graines partout de la même façon. Et puis il y a des endroits où que des résineux arrivent, que des fruitiers démarrent, des frênes dans d'autres endroits. Et c'est une forêt merveilleuse. Hein. Mais il faut juste, en fait, je la regarde en permanence. On se promène avec tous les gens qui travaillent avec moi, puis on regarde ce qui se passe en fait avec cette forêt. Et c'est juste une expérience extraordinaire. Et qui donne du bonheur, parce que cette forêt, la forêt idéale selon Fabrice Hibert, c'est une forêt presque habitable, dans laquelle il y a des clairières, dans laquelle on peut se nourrir. Et d'une certaine façon, c'est
C'est ce qui s'est réalisé avec cette forêt. Absolument. Et c'est un des objectifs de cette forêt, c'est de pouvoir se nourrir de la forêt. Parce qu'en fait, c'est une des choses dont je me suis aperçu, c'est que la forêt, en fait, si on ne l'entretient pas, en fait, dans cette petite vallée, ça s'appelle la vallée d'ailleurs, il y avait des petits bois qui existent, deux bois, où on n'allait jamais. Parce que c'était encaissé, c'était difficile. Et en fait, je n'ai jamais vu les bois évoluer. Alors que à côté, toute la forêt grandissait, s'enrichissait et tout ça, et ces petits bois-là, c'était des bois un peu naturels, on va dire. Ils étaient très, ils végétaient en fait. Donc je me suis dit, c'est pas l'idéal. Il faut pour avoir de l'oxygène, il faut sans doute rentrer dans la forêt et donc pouvoir y accéder et l'entretenir. Et en fait, quand j'ai commencé à rencontrer les gens de l'ENF, en fait, je me suis aperçu que c'est cette technique-là qui s'est développée largement. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse d'imaginer pouvoir parler, en fait. On parlera justement des différents modèles. Faut-il intervenir ? On parle beaucoup en ce moment de libre évolution, sanctuarisation. Ça va faire partie de nos échanges. Mais on va regarder la prochaine... image qu'on a sélectionnée avec Fabrice pour maintenant peut-être aborder eh bien, la présence de la forêt dans le travail artistique. Voilà. Alors ce tableau-là s'appelle paysage de mesure, au pluriel mesure. C'est des mesures. En fait, c'est un paysage qui est composé par tous les moyens de mesurer le vivant. Avec le code-barre, le camembert, l'encéphalogramme, que des choses très, enfin, qui composent les mesures du vivant. Et en fait, en mettant ça de façon un peu composée, organisée, en fait, tout d'un coup, ça fait une forêt. Et donc, je me suis dit, peut-être que, en fait, la forêt est aussi une sorte de paysage écrasé de notre histoire, notre histoire du vivant. Donc, c'est des questions que je me pose en faisant les tableaux. En fait, les tableaux me servent à agir après. C'est des moments de démonstration avec lesquels je peux permettre aussi de faire des expériences par la suite. C'est vraiment des démonstrations. Ça, c'est le premier tableau. Et Fabrice, ayant une formation scientifique autour des mathématiques, de la physique, voilà, très sensible à l'intelligence, son arborescence, lorsque nous avons préparé et échangé, je ne sais pas si c'est une croyance ou une réalité, mais vous m'avez dit que, selon vous, tous les modes de pensée pouvait être traduit par des formes organiques que l'on pouvait trouver dans la forêt. Oui, ça c'est amusant parce qu'en fait quand je fais un dessin, je fais une arborescence qui correspond à une façon de penser, à des accès, des possibilités, des choses comme puis des choses qui se recroisent. Puis à un moment donné, les choses qui se recroisent, ça fait plus un arbre. Et finalement, quand on cherche, en fait, il y a tous les arbres, tout ce qu'on dessine comme arbres, ils existent dans la nature. Et ça, c'est génial. Dans le monde entier. Et ça, quand on dessine quelque chose, c'est que ça existe déjà. Et ça, c'est important. J'ai découvert ça aussi en peignant. Et dans la prochaine. Et puis, Fabrice, vous disiez aussi que vous viviez votre peinture aussi comme une graine qui pousse. Alors, la peinture, en fait, c'est quand on va dans mon atelier, en fait, je mets des tableaux sur les murs et je dessine, je pose des questions, je fais un petit mot, un dessin, et puis je commence la démonstration, et puis à un moment donné, il me manque un truc, alors je le mets sur un autre tableau, et hop, en fait, ça pousse, ça devient viral, en fait. Et en fait, cette graine-là qui pousse à un moment donné, elle se développe, elle fait des choses, après, tout d'un coup, il y a 40 tableaux qui sont finis, ou des choses comme ça, après, hop, les tableaux s'en vont, ils sont partagés, ils sont prêtés, enfin, tout ça, et en fait, ça fait une sorte de pensée qui en mouvement en fait. Et en fait, c'est comme les tableaux apparaissent comme des choses pas terminées en fait, des phrases, des débuts de phrases, et puis il manque la fin. En fait, la fin, c'est à vous de la continuer en fait, c'est à vous de prendre en charge ça. Et en fait, les œuvres sont construites comme ça. On va regarder la prochaine. Là, celle-ci justement, ça c'est un des premiers, une première arborescence, c'est pour ça que j'ai choisi, que tu l'as bien choisi d'ailleurs. Et c'est une arborescence où je parlais d'un homme de commerce et puis qui avait des possibilités de commercer et tout ça. Puis à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait peut-être des liens entre des parties du commerce, les traits rouges par exemple en haut. Et donc ça donnait une sorte d'autre type d'arbre. En fait, ça donne un arbre qui existe déjà. Voilà. Et ça c'est une forme. Et en fait, ça donne surtout un arbre.
Souhaites-tu rajouter d'autres éléments sur ta pratique ? Parce que là, depuis quelques années, l'arbre, alors là je parle quantitativement, occupe une place, justement, cette arborescence, c'est pas simple. Voilà, l'arbre est en train de... Dans mon travail, de manière, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Mais en fait, toutes les formes d'arbres, en fait, elles sont développées. Et puis les formes de plantes, tout ce qu'il y a entre les arbres, tous les humains qui passent à travers une sorte de coquille comme ça, animal-humain, l'humain-plante. Par exemple, pendant le confinement, comme on était tous un peu en végétation, en fait, je me suis dit peut-être qu'on va devenir plante, peut-être. En fait, j'avais retrouvé des dessins que j'avais fait très anciens sur les plantes. J'avais même fait une conférence une fois, ou une discussion avec Stéphane Mancuso, qui est un chercheur sur le système nerveux des plantes. Et en fait, il avait vu que je faisais des dessins quelques années avant qu'il fasse les recherches. Donc, on est en train de travailler sur un projet, parce que cette histoire de greffe de plantes sur notre corps, peut-être que c'est... un de nos développements, une de nos mutations. Merci beaucoup. Non, ça me laisse sans voix, bien évidemment. Eva, donc, on a aussi préparé quelques visuels. Donc, la forêt est arrivée autrement qu'en la faisant, entre guillemets, dans votre vie. Mais... Alors, le mot jalouse vis-à-vis de Fabrice me semble abusif, mais l'idée d'avoir son jardin à soi, d'avoir justement, d'intervenir et de pouvoir composer à partir de la nature, entre guillemets, est aussi quelque chose qui vous inspire et ce vers quoi vous dirigez également. Oui, au départ, c'est vrai que la forêt, c'est plus un sujet de représentation, et avec justement ce matériau, le carton, il y avait une boucle un peu évidente, même si c'était évidemment la première entrée du travail qui saute un peu aux yeux. C'est pour ça que parfois je la développe pas tant que ça, parce qu'elle m'a l'air tellement simpliste, mais en effet c'était extraire une petite partie de tout ce carton qui voyage partout dans le monde pour transporter des marchandises, et avec un espèce de temps presque ironique, finalement, lui redonner un état, en tout cas visuellement, un état qu'il a quitté. Mais c'est vraiment comme une espèce de... C'est vider l'océan à la petite cuillère, évidemment. Et puis en plus, il y avait aussi des contradictions qui m'amusaient beaucoup au départ dans ce travail-là. C'était de représenter les arbres qui peuvent, certains ont plus de 1000 ans, avec du carton qui, au contraire, va être rapidement plus périssable. Donc, voilà, exprimer l'idée du temps long avec, au contraire, quelque chose qui est beaucoup plus fragile, et travailler sur ces contrastes-là. Le travail a évolué de différentes façons ensuite. Un, parce que... On peut peut-être projeter justement une première image qui est Ça, c'est une petite assez pièce. Emblématique. Si on peut montrer une suivante d'ailleurs, parce que en fait celle-là, c'est oui voilà. Non, parce qu'au début j'ai tout de suite travaillé avec des pièces assez grandes, et finalement les changements d'échelle, le rapport à la miniature est arrivé un peu plus tard. Au début j'avais plutôt envie de travailler sur des grands formats, et j'ai eu une phase d'expansion, c'est-à-dire que où j'ai représenté de façon totalement obsessionnelle pratiquement que des forêts, même si j'avais par ailleurs aussi développé une pratique de dessin. Et puis quand on me donnait un mur, je faisais une forêt, et jusqu'à ce qu'on m'en donne des plus en plus grands. Et ce cycle d'agrandissement est arrivé jusqu'à Beau Passage, qui fait donc qui est d'ailleurs l'image suivante. C'est un passage qui est à Paris, on entre par le 14 boulevard Raspail. Si on peut mettre la l'image. Et cette œuvre fait 24 mètres de long, voilà. Et donc, c'est pas la plus grande, il y en a une plus grande. Mais donc, il y a eu cette première phase comme ça, un peu expansive. Et puis, comme tout ça prend beaucoup de temps à faire, parce qu'il faut couper chaque petite branchette de carton, c'est assez prenant comme travail. Donc, ça me laisse le temps de beaucoup réfléchir à ce que je vais faire après. Donc, je ne suis jamais à court d'idées, parce que je n'ai pas le temps de réaliser beaucoup d'œuvres. Donc, quand je passe à la suivante, j'en ai envie depuis déjà longtemps. C'est ce qui s'est passé sur toute l'évolution sur la question des fabriques de jardins, des folies dans les jardins.
Donc j'ai réalisé la première folie au domaine de Chaumont-sur-Loire. J'en ai réalisé d'autres ensuite, une en Bretagne, etc. Et tout de suite, en arrivant vers cette question de la folie et des fabriques, et bon, moi j'ai un goût particulier pour les jardins baroques, mais je suis ouverte à toutes sortes de jardins. Mais j'ai eu envie naturellement d'évoluer vers l'envie de faire mon propre jardin, chose qui n'est pas encore faite, mais j'y travaille activement. C'est un appel. Non, mais c'est un appel qui commence à atterrir quelque part, j'espère, mais je ne peux pas encore annoncer quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'aimerais commencer à travailler justement ce jardin et à la façon dont Fabrice a commencé il y a plus de 20 ans, c'était il y a 20 ans à peu près, on ne sait pas, 25, 30. Bon, donc je suis un peu en retard et donc il faut que je m'y mette. Et j'aimerais commencer à travailler ce jardin donc en le concevant complètement dans sa conception artistique, dans sa déambulation. Donc voilà, très inspiré des jardins du 18e, des jardins baroques. Enfin, il y a toutes sortes de jardins. Et puis il y a aussi quelques jardins d'artistes plus récents, comme celui de Nikita Saint-Phal, par exemple, ou d'autres. Bon, même si c'est une esthétique différente de la mienne, mais enfin, cet esprit-là de que l'artiste soit à nouveau celui qui dessine le jardin, ce qui a été le cas pendant très très longtemps. Aujourd'hui, les jardins sont plutôt des jardins de paysagistes dans lesquels il y a des parcs de sculptures. Or, moi, j'ai envie de faire un jardin sculpture et de travailler sur justement cette symbiose entre l'ajout humain, ces fausses constructions, l'ironie aussi de ce que c'est que de faire une fausse grotte quand il y en a des vraies. C'est quand même très étrange, cette espèce de côté théâtral à l'extérieur qui m'attire beaucoup, la question de l'artifice, de l'ornemental, du faux, et de ce besoin aussi de se projeter dans du faux pour mieux comprendre le vrai. C'est étrange, mais c'est quand même quelque chose qui nous anime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai envie de, sur lesquelles j'ai envie de travailler aujourd'hui, et de réfléchir aussi à la façon dont tous les matériaux peuvent évoluer, vieillir dans le temps, et imaginer qu'on pourrait aussi pratiquement les laisser tranquilles, ne rien faire, et qu'ils ne deviendraient pas laids, enfin, qu'ils vieillissent bien, parce que c'est vrai que parfois on voit aussi des œuvres contemporaines qui sont très belles, mais on voit bien que dans l'espace public, elles ont aussi besoin d'un entretien particulier pour garder leur origine, leur beauté. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres matériaux qui, au contraire, ne souffrent pas du temps. Donc moi, j'aimerais peut-être travailler sur des matériaux qui ne souffriraient pas du temps, ou en tout cas auraient une évolution qui nous semblerait, je ne sais pas, esthétique d'une certaine façon, enfin, selon mes goûts. Voilà, donc ça, c'est les choses sur lesquelles j'ai envie de travailler aujourd'hui. Je cherche aussi, dans ce nouveau projet, à m'entourer pas seulement de mon envie artistique, mais aussi que ce soit l'occasion d'un dialogue. Donc c'est aussi un moment de rencontre, voilà, notamment avec un botaniste comme Marc Janson, qui m'accompagnera sur ce projet, des discussions avec Emanuele Coccia, par exemple. Enfin voilà, c'est aussi quelque chose qui désenclave de l'atelier, un peu à la façon dont Fabrice a fait et bien avant moi, mais c'est aussi, voilà, parce que dans l'atelier, on poursuit son idée, son projet. On a besoin de beaucoup d'autres gens, hein, évidemment, pour faire une exposition, pour travailler, pour construire, fabriquer, etc. Mais c'est vrai que dans l'espace du jardin, cette connaissance et ce besoin de croisement, il est très très concret, parce qu'il y a beaucoup de domaines qu'on ne connaît pas, et il faut se mettre à plusieurs pour faire la chose juste. Et donc c'est assez exaltant d'imaginer commencer à travailler sur ces sujets-là. Voilà. Et j'ai une question par rapport à votre travail sur les forêts. Donc vous expliquiez dans un entretien précédent que vous aviez cette volonté que vos œuvres donnent une sorte de fourmillement, de foisonnement de détails, d'ombre, et qui, du fait même de ce foisonnement, ne permettent pas de tout voir, et qui puissent restituer d'une certaine manière, mais peut-être que je suis déjà dans l'interprétation de ce que vous avez dit, une sorte de mystère de la forêt, justement, avec voilà, cette dimension d'y pénétrer et de pouvoir éventuellement même restituer des émotions qui sont réelles quand on pénètre parfois dans une forêt. Bah, c'est-à-dire que cette accumulation de détails et ce foisonnement,
C'est ce qui permet, quand ça fonctionne, quand il y a un intérêt, que l'œil se perde à l'intérieur et qu'au fond, une partie de ce qu'on regarde devient invisible, parce qu'on ne va pas passer des heures devant l'œuvre à essayer de regarder tout ce qu'il y a dedans, puisque c'est impossible. Donc, on sait qu'on en perd une part. D'une certaine façon, c'est aussi une tentative très médiocre d'imiter la nature, puisque quand on est dans une forêt, mais quand on est dans n'importe où dans le réel, si on commence à détailler la profusion du réel, elle est folle, elle est vertigineuse. C'est l'univers, quoi. C'est un truc de entre chaque brin d'herbe. Et alors dans une forêt, c'est la folie parce que non seulement il y a cette profusion, des arbres, etc., mais profusion d'interactions, profusion de mélanges, de choses qui s'hybrident et qui n'ont rien à voir. C'est tout sauf un espace uniforme. Et donc, bon, voilà, moi, très, très, très modestement, j'essaye de charger comme ça de détails pour créer cette sensation de foisonnement. Mais de toute façon, il y a vraiment plusieurs entrées dans la façon de créer les œuvres. Mais on a aussi beaucoup représenté par l'accumulation du détail. C'est quelque chose qui fascine un peu, qui peut... créer l'étonnement. Et ce sont des techniques, c'est pas des techniques, mais ce sont des façons de représenter le monde qui a quand même été beaucoup utilisées, parce qu'il y a quelque chose de vertigineux là-dedans qui fait qu'on se perd, on regarde chaque petite chose, etc. Et je pense que c'est pas un hasard si on a aussi beaucoup utilisé ce moyen-là pour représenter le monde. Et en termes d'inspiration de forêt réelle, imaginaire ou déjà représentée, vous avez utilisé des images de forêt de presse, mais vous avez aussi vous-même pris un certain nombre de photographies de forêt que vous avez utilisées dans votre travail. Non, en fait, j'ai grossi un peu. Les photos de presse, en fait, je veux la faire aller en forêt, c'est pour ça. Non, mais rapidement, ça va être un peu trop long sinon. Mais en fait, j'ai commencé le travail sur le carton en reprenant des images de presse avant d'abandonner complètement ce passage par la citation et le détournement, qui sont des choses aussi, des moyens de l'art contemporain qu'on a, etc. Et pour aller vraiment au cœur de ce bois et enlever toute citation, toute référence, et être de façon extrêmement frontale, un bas-relief de forêt qui n'a pas d'allégorie, qui ne raconte pas une histoire, qui est finalement l'espace dans lequel on se projette. Quand j'ai commencé à faire les premières forêts, j'ai beaucoup regardé des tapisseries, la peinture, notamment les arrière-fonds de tableaux, en particulier la période de la Renaissance, parce que j'aimais beaucoup cette période étrange où il y a une grande attention sur l'anatomie, sur les drapés, sur l'architecture lorsqu'ils sont représentés. Et par contre, ces artistes-là représentaient la nature, pendant un certain temps, elle n'est absolument pas réaliste. C'est-à-dire qu'il y a une immense fantaisie. Le pommier, c'est vraiment pas vraiment comme un pommier. Enfin, voilà. Et j'aimais beaucoup cette espèce de maintien comme de l'art précédent, finalement l'art du haut Moyen-Âge. Il y avait comme une... je ne sais pas comment dire, comme si une partie de la représentation du haut Moyen-Âge était restée un peu dans cette période de la Renaissance, mais seulement concernant la nature et la roche, par exemple. Tout le reste était extrême. Il y avait vraiment le souci, pas du réalisme, mais de la représentation juste, avec toutes les questions d'anatomie, un trapé, comment il fallait qu'il tombe, etc. Donc ça, c'était les choses que je regardais beaucoup au début. J'ai fait quelques photos, etc., mais en fait très très peu. Le travail est pas du tout lié à la photographie, j'en ai pas beaucoup. J'ai des photos sur mon téléphone, mais c'est des photos que je fais quand je me suis promenée en forêt. Je m'arrête sur un détail, souvent c'est des enchevêtrements et beaucoup de mottes de terre et ce mélange pierre, herbe, touffe d'herbe et un peu de racines. Voilà, ça, j'adore ça. Et les forêts que j'aime le plus maintenant, celles qui m'inspirent le plus visuellement, ce sont les forêts à la montagne, parce qu'il y a les deux trucs que j'aime, le minéral et la forêt. Donc là, c'est parfait pour moi. Je ne m'étais quand même pas trompée totalement, parce que je savais qu'il y avait quand même quelques photos, mais en effet, peut-être plus
pour un plaisir personnel qu'une utilisation avec méthode dans le travail. Eric, ne vous inquiétez pas, je vous laisse enregistrer tout ça et après, c'est vous qui ferez l'analyse comparative des différentes approches artistiques. Alors, je vais donner la parole à Vincent Laval, mais déjà, on se rend compte qu'il y a une très, très grande complémentarité. Avec Vincent, on va voir la forêt non seulement au cœur du travail, mais aussi d'une forme d'engagement dans sa vie en tant que personne, en tant que citoyen. Et ce qui est intéressant aussi, peut-être l'avez-vous remarqué, c'est qu'on part en effet de la toile, on est dans un bas-relief, ça s'épaissit, et là on arrive aussi à la sculpture. On est voilà, dans des complémentarités de médium. Et puis, vous avez une particularité. Alors, on sent que Eva est sur le point de se désurbaniser pour voilà, avoir une vie à minima dans un jardin idéal. Vincent, qui n'était pas urbain au départ, mais qui, dans le cadre des études aux Beaux-Arts, est devenu parisien, vient de quitter la ville pour voilà, vivre en Bretagne. Et Fabrice, vendéen de cœur, est voilà, à un pied de plus en plus présent dans son, voilà, dans sa vallée. Donc, vous représentez aussi dans l'organisation de vos vies, on va en parler après aussi. Moi, j'ose plus utiliser le mot nature. Donc, un rapport à, mais je vais le dire quand même, à la nature. Eh bien, bonjour. On peut démarrer avec la première image. Oui, alors moi j'ai une pratique. Alors, né en 1991, oui. Voilà, Vincent, je suis désolée, j'insiste sur ton âge. Ça y est, 30 mais ans. Voilà. Trop jeune? C'est trop jeune. Je m'en vais. non, mais je suis très heureux d'être ici. Moi, en fin de compte, j'ai une pratique de la sculpture, pas que de la sculpture, mais principalement la sculpture qui est composée en trois temps, on peut dire ça. Qui est la marche, c'est vraiment le point de départ, et ça implique effectivement de l'observation, ça implique une tentative de compréhension de la forêt, du paysage, de tout ce que ça incorpore, du non-vivant, du vivant, de la cueillette, c'est la deuxième chose, de différents matériaux, principalement du bois, et la troisième étape, c'est la phase qui se passe à l'atelier, donc, où je récupère tout ce que j'ai obtenu dans des territoires forestiers, donc principalement dans une forêt qui s'appelle la forêt de Carnel, qui est très proche d'ici, c'est là où j'ai grandi, c'est dans le nord de l'île de France, à la limite de la Picardie, donc à 30-40 km d'ici, et donc en fin de compte, une fois que je récupère tous ces matériaux qui m'interpellent, qui m'appellent même, et ben voilà, il se passe des choses, et moi mon objectif en tant qu'artiste, c'est de créer, de recréer à l'atelier ce que j'ai pu percevoir en tout cas ce qui m'a attiré dans les territoires forestiers, à savoir les points d'ancrage, d'équilibre. Donc quand il y a une sorte de cohérence, de cohésion, une osmose entre tous les éléments, vivants, non vivants, et qu'on a l'impression que tout est à sa place. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et où est la place de l'humain parfois là-dedans, ben, on se pose la question. Et donc moi, en tant que sculpteur, j'essaye de faire réintervenir l'humain dans ces espaces, donc à travers des sculptures qui sont montrées hors des territoires forestiers. Mais donc là, par exemple, cette première image, c'est une cabane. En tout cas, le point de départ, c'est la cabane, c'est l'objet cabane. Et donc la cabane, c'est un objet qui m'intéresse énormément, puisque c'est l'endroit où on s'arrête, l'endroit où l'humain s'établit le temps de quelques heures dans des espaces où il n'est plus censé vivre. Et donc cette cabane, elle est composée de branches de châtaigniers que j'ai récupérées en forêt. C'est des branches mortes exclusivement, qui sont tombées. Alors, je ne sais pas si j'ai très le droit de faire ça, mais... on ferme les yeux pour cette fois. Mais on précise que Vincent ne coupe jamais
une branche. Toutes ces sculptures ne sont faites qu'à partir des prélèvements de branches déjà tombées au sol. Exactement. Ou déjà mortes. Déjà mortes, exactement, parce qu'en fait, je récupère pour, on va dire, 95% de mes éléments bois, c'est du châtaignier. Et le châtaignier a la particularité d'être imputrescible, il résiste à l'eau pendant 20-30 ans. Et donc, au final, j'attends plusieurs années que ces branches qui sont soit tombées au sol, soit mortes dans l'arbre, aient perdu ce qu'on appelle l'aubier, la couche juste sous l'écorce, qui, elle, se désagrège, qui est mangée par les insectes, et qui reste que le duramen, la partie intérieure, qui, elle, est imputrescible. Et donc, cette partie-là, elle peut rester 20-30 ans avant de se transformer en humus. Donc, effectivement, j'essaye d'avoir un impact minimal. Je récupère des branches par-ci, par-là, sans complètement épuiser une zone, mais en allant un peu à différents endroits. C'est pour ça que cette sculpture s'appelle « Plus loin dans la forêt », parce que justement, le processus de cueillette implique d'aller toujours plus loin dans la forêt pour trouver les matières nécessaires à la réalisation de ces sculptures. On peut peut-être regarder la suivante. Je précise que vous avez une formation à la fois de l'école Boulle et des Beaux-Arts de Paris. Oui, j'ai commencé ma formation effectivement à l'école Boulle en ébénisterie, puis en sculpture sur bois. Et puis j'ai trouvé cette formation très intéressante, mais très axée sur le bois. Et ce qui m'intéressait au final, ce n'est pas tant le bois, mais c'est la forêt. D'ailleurs, plus que la sculpture, c'est la forêt qui m'intéresse. C'est pour ça que le principe de base de puiser tout ce que je souhaite faire à l'atelier directement dans la forêt, c'est primordial. Là, c'est toujours le même principe. Ça a été montré la première fois dans le cadre d'une exposition à la Galerie Sono dont on parlait, dans une exposition qui s'appelait « Apprendre à se fondre ». Et donc, c'est le végétal qui se fondait dans un espace architecturé dont il n'est pas forcément issu. Et donc, on ne le voit pas forcément sur l'image, mais en fin de compte, il y a un point d'ancrage et le végétal sort du mur. Et donc c'est des formes beaucoup plus élancées, puisque comme tu le disais Alice, effectivement, je récupère parfois des branches qui sont mortes, mais encore accrochées aux arbres, et donc elles ne sont pas tombées au sol, pas cassées. Là c'est la totale. et donc effectivement, ces branches sont beaucoup plus élancées, épineuses. Il va être arrêté, ouais, par les agents de l'ONF. Ça veille là-bas. Non, évidemment, comme en tant que... Celui qu'on cherchait depuis des années dans cette forêt a été identifié. Je suis démasqué. Non, voilà, l'idée, c'est effectivement, vous l'avez compris, c'est quand même d'avoir un rapport le plus discret et le plus respectueux des territoires forestiers. Donc je prends quand je sais qu'il n'y a pas d'interférence ou de problématiques liées à cet environnement. Mais donc effectivement, voilà, l'idée c'est de faire parler le végétal avec des formes les plus organiques possibles, presque maniérées. Au final, c'est l'organique qui est poussé au maximum. Donc c'est des formes déjà existantes du châtaignier. Le châtaignier pousse avec cette manière un peu particulière, et donc combiner les unes aux autres, ces formes, en fin de compte, elles deviennent presque... Il y a quelque chose d'animal. Oui. Et alors il y a quand même, alors je vais dire un mot qui est peut-être malvenu, pas un trucage, mais il y a un assemblage, c'est-à-dire qu'il y a une forme de confusion entre une impression que ces branches pourraient avoir été trouvées telles quelles dans la nature, mais pour certaines d'entre elles, elles sont entièrement composées de différentes parties. Tout à fait. Et assemblées. C'est clairement ça. L'idée, c'est effectivement ça, c'est de faire une unicité, un réseau végétalisé, en partant de, au final, différents endroits d'une même forêt, ou parfois même différents territoires forestiers, différents arbres, et de ces éléments-là, les combiner pour en faire une unicité végétale, effectivement. Donc il y a tout un travail effectivement d'atelier pour le coup, où la combinaison de ces éléments devient une seule et même sculpture. On peut regarder la dernière. Alors la dernière, on a effectivement encore une troisième. Il n'y a pas que ça, hein, parce que je travaille aussi plein d'autres matériaux qui sont à mon sens intéressants puisqu'elles viennent compléter tout le travail de la forêt. La forêt, c'est pas que les arbres, on le sait tous. Et donc, effectivement, là, on voit une sculpture
Donc c'est l'élément bois qui est courbé, c'est aussi un travail de récupération. C'est une lame de chêne qui a été courbée par la chute d'un arbre de manière définitive. Donc elle s'est détachée de l'arbre, elle était cintrée. Et donc la sculpture reprend le mouvement de batté que fait la chute de l'arbre, ça s'appelle le silence après la chute. Et l'autre partie, c'est en forge. Donc voilà, j'ai aussi, pour compléter le travail de bois, pour dire d'autres choses, pour amener d'autres pensées, il y a un travail de forge, de bronze, de verre, de photographie aussi. Voilà, c'est différentes choses. D'ailleurs, dans les photographies, il y a eu des photographies qui questionnaient la coupe du bois. Oui, il y a effectivement, dès l'instant où on passe beaucoup de temps en forêt, moi j'essaye de passer un temps le plus possible, c'est là où je me sens bien, le plus possible en forêt, on est observateur de tout ce qui se passe, donc forcément il y a ces points d'équilibre qui sont là, des points de déséquilibre aussi parfois, malheureusement bien trop souvent générés par l'humain, et donc effectivement voilà, il y a tout un tas de photographies aussi qui mettent en avant des points de déséquilibre, des points charnières où effectivement cette osmose dont je parlais tout à l'heure, cette volonté d'observation de l'osmose, elle n'est plus là, il y a quelque chose qui est cassé, et donc la photographie permet ça. C'est aussi plus que la sculpture, dans ce moment-là ça peut être un témoin, un vrai marqueur de ces moments. Et donc Vincent, vous êtes aussi engagé dans des associations autour de la forêt, et vous reversez même un pourcentage de vos revenus artistiques justement à ces associations. Oui, il y a deux éléments qui ont été hyper marquants dans mon tout début de jeunes artistes. C'est un premier voyage en Suède, et donc l'observation du plus vieil arbre du monde qui se trouve dans le Dalarna, qui a 9500 ans, un arbre tout frêle qui fait 5 mètres de haut, qui a un nom, Ochiko, un petit épicéa. Et donc l'observation pendant 3 jours, j'y suis même retourné une semaine après, de cet arbre a été un élément clé, vraiment un point d'ancrage qui a confirmé ma volonté et la nécessité d'ancrer tout mon parcours et tout mon discours artistique sur cette thématique qui m'habite, la forêt. Et le deuxième élément clé, ça a été la lecture de livres et puis la rencontre avec Francis Allais, qui est un grand botaniste, certains le connaissent peut-être, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui a beaucoup travaillé notamment pour la forêt primaire, qui fait des dessins spectaculaires. D'ailleurs, il a participé à l'exposition avec Fabrice Hibert, Nous les arbres, à la Fondation Cartier. Et donc, il a créé une association il y a 3 ans de ça, 2 ans et demi, qui s'appelle l'association Francis Allais pour la forêt primaire. Et donc, c'est une association. Donc, je sais que le thème même de cette association, qui vise à recréer une forêt primaire en France, en Europe occidentale notamment, peut faire débat. Mais moi, c'est un projet sur 1000 ans que je trouve assez fantastique. Et donc, pour soutenir ce projet, effectivement, je reverse 5% de mes revenus. Voilà. À cette association. Merci beaucoup. Bon, Eva, elle a déjà programmé le châtaignier, je pense, dans le prochain projet. Donc, Eric, trois relations à la forêt complètement, très complémentaires, différentes, qui témoignent aussi, peut-être pour Vincent, d'un phénomène générationnel. On voit, pour être moi-même spécialisée sur le lien entre l'art contemporain et l'environnement, aussi beaucoup plus d'artistes étant nés avec la crise écologique, lié à un engagement lié à la préservation, la protection de l'environnement. Quelle est votre réaction suite à ces trois témoignages? Une réaction avec humilité. Hein. Vous m'avez confié, j'ai compris, une approche comparative, enfin une analyse comparative des approches artistiques, j'en serais bien incapable. Non, juste vous exprimer, moi, que je suis assez touché, évidemment, par ces travaux.
Parce que vous l'avez dit, c'est sans doute un mouvement de fond qui émerge depuis quelques années d'un travail artistique de plus en plus inspiré de la nature. L'art s'en était bien éloigné depuis longtemps. L'art serait né d'une représentation de la nature dans quelques grottes et n'a cessé de s'en éloigner en miroir d'une société, principalement occidentale, qui elle-même a considéré qu'un haut niveau de civilisation consistait à s'éloigner de l'état de nature. À atteindre l'art conceptuel traitant des hyper-objets. Voilà. Je n'osais pas aller jusque-là. Un commentaire sur... Non. Mais voilà, pourquoi ça ? Moi, je serais incapable de l'expliquer, mais pourquoi ce regard nouveau des artistes sur la nature ? Simplement parce qu'il y a un regard nouveau, sans doute, de la société sur la nature tout entière, fruit de culpabilisation, sans doute, au regard de toutes les exactions qu'on a pu commettre à l'encontre du vivant depuis des millénaires, et puis sans doute amplifié par une crise climatique, crise sanitaire qui nous a éloignés temporairement de la nature et qui ont sans doute réveillé ce désir de nature. On le constate, nous, les forestiers, tous les jours, on est passé de 11 millions de visiteurs en forêt de Fontainebleau à 15 cette année. 15 millions de visiteurs en forêt de Fontainebleau. Voilà, il y a un désir de nature inédit, de mémoire de forestier, on n'avait jamais vu ça. Et évidemment, les artistes sont les témoins de ça, les interprètes de cela. Et finalement, ce désir de forêt, cette nouvelle rencontre avec la forêt, avec la nature en général, a fait nous rendre compte que la nature était aussi une source d'émotions considérables, comme l'art est une source d'émotions considérables. Et c'est une source d'émotions, la nature, si tant est qu'on sait la regarder, si tant est qu'on sait l'écouter, qu'on sait la sentir. Et c'est là, sans doute, que sont très utiles les artistes pour nous aider tous, et on est de plus en plus nombreux à être des non-sachants de la forêt, des non-fréquentants de la forêt, depuis même l'enfance, et c'est malheureux, c'est même assez inédit dans l'histoire de l'humanité de ne plus transmettre le lien à la nature de génération en génération, eh bien les artistes nous aident un peu comme des chamans à regarder cette nature et donc sans doute à y vivre quelques belles émotions aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous intéressons aux artistes, qu'on les accompagne, qu'on fait nous-mêmes, on fait venir des artistes en forêt, on fait un festival de cinéma en forêt, on a fait forêt monumentale avec la métropole de Rouen dans les forêts de la métropole. Voilà, on a une rubrique sur notre site internet Culture, voilà, Culture F qui... Ça ne fonctionne plus. Si, merci Eva. Qui relate de nombreuses expériences artistiques inspirées de la nature. C'est reparti. Merci. Donc c'est pour nous important, évidemment, ce lien nature-culture qui a, pendant de nombreuses décennies et siècles, été un tout petit peu... ignoré. Et nous, on est heureux, évidemment, de voir que tout ça est en renouveau. Moi, ce qui me touche beaucoup dans le travail dont parlait surtout Fabrice et Eva, c'est que finalement, la forêt de Fabrice, le désir de jardin d'Eva, finalement, vont générer un travail artistique, finalement, en co-signature avec la nature. Et ça, ça parle aux forestiers, évidemment, en co-signature avec la nature, c'est juste l'éthique du métier de forestier aujourd'hui. Peut-être en a-t-on une image un peu déformée d'artificialisation, pas du tout. L'éthique du forestier, c'est bien de travailler avec la dynamique naturelle, avec les semis, avec la régénération naturelle qu'on accompagne évidemment dans un certain sens pour que la forêt, comme je le disais tout à l'heure, continue de rendre des services, et n'importe quelle forêt ne rend pas les mêmes services
qu'une autre forêt. Donc on oriente, mais on accompagne cette dynamique culturelle. Donc ça me touche, cette comparaison avec ces travaux et expériences artistiques. Alors moi j'ai envie de poser la question, y a-t-il un art de la forêt à la française ? Parce que nous sommes dans la perception des forêts aussi avec différents courants culturels. On en a parlé en préparation de ce débat aujourd'hui. Il y a une culture plus anglo-saxonne qui va être assez sensible aux questions de réensauvagement, de ce qu'on appelle le wilderness, de libre évolution, et qui va pouvoir par exemple considérer la cohabitation entre des forêts qui seraient donc en libre évolution et d'autres qui seraient exploitées. Et nous en France, nous avons une forme de particularité française, c'est que nous voyons en fait plutôt la forêt comme un mélange, comme un lieu où tout est possible, des parties exploitées, des parties voilà, plutôt sanctuarisées, avec justement une culture qui va concerner la préservation de la forêt. Et si on devait, parce que ça c'est intéressant aussi, il y a eu des arts des jardins, on parle rarement d'art de préservation de la forêt, alors qu'il y a en fait culturellement énormément de parti pris et de particularités locales. Et donc, vous me disiez, Eric, en effet, que ce qui caractérise, c'est d'abord le fait de toujours parier sur une forme de diversité des pratiques, diversité des espèces, et que nous sommes finalement assez isolés dans cette vision d'une hybridation des différentes techniques dans un même lieu. Alors oui. C'est ce qui fait que justement Vincent, quand il se promène dans une même forêt, va trouver des moments peut-être d'osmose et des équilibres dans le même périmètre. Tandis que dans un monde peut-être plus anglo-saxon, il aura l'osmose totale peut-être à un endroit, mais s'il va dans une forêt à proximité, il y aura peut-être un sentiment de très très grand déséquilibre. C'est pas pour faire du chauvinisme, mais c'est pour essayer de mieux comprendre aussi culturellement le rapport que l'on a à nos forêts dans la manière dont on les conçoit et les préserve. Oui, vous avez raison. C'est une vraie particularité française, cette sylviculture qui considère qu'à un endroit donné, à un endroit forestier donné, on doit satisfaire plusieurs objectifs. Protéger la biodiversité, produire du bois, accueillir du public, protéger du patrimoine, les paysages. Voilà. Ça, c'est la spécificité française. C'est assez original. En opposition, vous l'avez cité, à un monde plus anglo-saxon. Plus anglo-saxon, on pense à l'Amérique du Nord, on pense à l'Europe du Nord, on pense à la Nouvelle-Zélande, qui ont des pratiques sylvicoles totalement différentes où on assigne à une forêt une seule fonction. Fonction de production, fonction de protection. Et quand on fait de la protection dans une forêt dans ces pays anglo-saxons, on n'a pas le droit d'y couper. Je suis désolé, pour le coup, moi je vais être un peu tolérant avec vos pratiques, mais le forestier néo-zélandais d'une réserve biologique ne laisserait pas sortir sans un PV. Mais par ailleurs, juste à côté, on pourra couper 300 hectares à blanc de Pinus radiata. Bon. Ça c'est le monde forestier anglo-saxon. Et la spécificité française, alors c'est pas lié à une culture différente, c'est surtout lié à des territoires très différents. La France est très habitée partout, alors que les que j'ai cités sont plutôt d'habitats très concentrés et au contraire de grand ensauvagement du reste du territoire. Ce qui peut permettre, sans forcément opposition sociétale forte, de couper ces fameux 300 hectares à blanc sans que personne ne dise rien. C'est pas le cas en France. La France, donc très habitée, à cette tradition de sylviculture dite, pardon d'un mot un peu nautique, multifonctionnelle. Plusieurs fonctions pour la même surface. Et Eric, vous me disiez aussi que dans la conception même de cette préservation, avant il y avait les arbres, donc la flore, et de plus en plus la faune, mais aussi les champignons sont venus, sont perçus et sont adressés ensemble
comme étant les éléments d'un même écosystème. Et ça aussi, c'est assez récent que de concevoir la forêt, et y compris son entretien, en intégrant par exemple les champignons. Oui, lié aussi à une connaissance récente, évidemment, du lien très fort entre la fonge, c'est les champignons, et les arbres. Les uns étant l'allié des autres au service de ce qu'on appelle la communication entre les végétaux, au service de la nourriture entre les végétaux, par ces réseaux de mycélium souterrain. Travailler avec l'écosystème global de la forêt, c'est dans l'éthique du forestier également. Et c'est ce que j'appelais la multifonctionnalité. Y compris aussi d'assumer qu'on coupe des arbres pour répondre à des attentes sociétales. Et il se trouve que nous sommes aujourd'hui confrontés à un défi majeur, l'ONF, c'est qu'on doit répondre à de grands enjeux dans toutes les fonctions de la forêt, et parfois des fonctions antagonistes, enfin qui paraissent antagonistes. Le désir de bois n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, l'enjeu de préservation de la biodiversité forestière n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Je disais, accueillir des visiteurs en forêt, ça n'a jamais été à ce niveau-là d'attente. Et c'est le défi de l'ONF de rendre tout ça compatible au même endroit. C'est compliqué de même de parler de cette équation impossible, parce que on est tous aujourd'hui confrontés à la défense d'intérêts particuliers, de causes uniques, et dire que finalement nous on essaie de satisfaire un peu tout le monde, mais finalement on satisfait personne. On ne satisfait pas la filière bois qui considère qu'on ne coupe pas assez de bois. On ne satisfait pas les naturalistes qui considèrent que quand on coupe un arbre, on ne protège pas la faune et la flore associée. On ne satisfait pas le public qui n'accepte pas qu'un chemin soit barré quand on doit réaliser une coupe. On ne satisfait personne. Alors que je suis convaincu, moi, que c'est le modèle, c'est-à-dire la voie du milieu entre nos extrêmes de tout production, de tout protection, et le modèle anglo-saxon que je décrivais, monofonctionnel, aujourd'hui est considérablement décrié dans ces pays anglo-saxons, puisqu'il n'est plus supporté aujourd'hui de couper 300 hectares de Pinus radiata dans l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande. C'est une complexité. On va réécrire le chanteur mal aimé avec le forestier mal aimé. Notre métier est complexe. Il est complexe à faire comprendre, mais j'y suis moi profondément attaché, parce que je suis convaincu que c'est la voie du milieu entre le toute exploitation de la nature ou tout protection de la nature. Je pense qu'on est dans des effets de balancier encore en ce moment, dans cette période de culpabilisation dans laquelle nous sommes, et nous sommes tous des représentants de cette génération qui se sent coupable, mais je suis persuadé que l'avenir, c'est sans doute la voie bouddhique, la voie du milieu, la voie paysanne dont sont issues les pratiques forestières, à savoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout simplement. J'entends, et puis nous-mêmes, en tant que, entre guillemets, citoyens consommateurs, qui rêvons tous de notre tiny house en bois, mais tout en rêvant que ce soit écologique, sommes nous-mêmes, par exemple, devant une contradiction qui est que oui, si nous en utilisons pour nous rapprocher de la nature avec une habitation, forcément, nous aurons contribué à la coupe de bois. Je voulais rebondir, mais j'entends que Fabrice avait lui-même envie de rebondir. Fabrice a fait une expérience complètement incroyable à Cahors, liée à ce qu'on appelle aujourd'hui de la végétalisation urbaine, de manière totalement prescience, et avec qu'il avait raconté justement à Eva lors d'un échange au musée de la chasse et de la nature. Et donc, justement, Fabrice, vous avez une vision sur cette forêt qui arriverait en ville. On parle beaucoup, notamment en matière d'adaptation au réchauffement climatique, de cette végétalisation. Et là, je fais un clin d'œil à Serge Auru, parce qu'on sait que il est attaché aussi à ces sujets. Anne Hidalgo, il réfléchissait aussi dans ce sens, et avec une vision assez radicale
de la manière dont on pourrait revégétaliser la ville et donc et voire même replacer l'homme presque dans une forêt, y compris dans un contexte citadin. Oui, non, mais ça c'est une à force de travailler sur cette forêt en Vendée, de dessiner autour de ça et tout ça, et de voir, de rencontrer les gens qui parlent de ça, qui, je me souviens très bien la première fois que j'avais rencontré Frédéric Lecomte de l'ONF qui était venu me voir en Vendée, on était sur une table en bois et puis elle me dit, mais ça c'est du stock de carbone. Et tout d'un coup, ça devenait technique et je trouvais ça super. Et quand on est dans cette salle ici, en fait, c'est une salle qui n'est faite que de stock de carbone. Donc déjà, penser comme ça, c'est une autre façon de voir. Et puis à un moment donné, enfin, je vois beaucoup de gens qui travaillent sur la végétalisation dans les villes et tout ça. Par exemple, j'avais fait à Cahors justement en 98-99 l'histoire des arbres fruitiers dans les villes. J'ai pensé que c'était bien qu'on puisse manger des fruitiers, des fruits dans la ville. Donc j'avais un contrat avec la ville de Cahors pendant 3 ans, je vous racontais tout, pour faire des 1000 arbres fruitiers plantés dans la ville tous les ans. On a planté une année, la deuxième année, ils ont annulé le contrat. Parce qu'en disant que la forêt, que les arbres étaient les fruits, que c'était sale, qu'ils polluaient. Que les arbres polluaient. Donc c'était un peu très étrange. C'était en 99. Après, à Tokyo, j'avais fait une en 2002 et 2008, j'avais fait 2 opérations qui s'appelaient Je sème, S'AIME, Seed and Grow, voilà, autour de semer et pousser. Et en fait, cette opération-là, l'idée, c'était de planter, de semer des graines de fruits et de légumes partout où il y avait de la terre dans Tokyo. Et c'était l'idée, c'est de faire ça pendant 6 mois, au mois de mai. Avril-mai jusqu'à la fin de l'automne. Et en fait, ça permettait aux gens d'avoir des fruits, des légumes, de voir la forme d'une tomate en ville, enfin des choses comme ça. Et quelques temps après, en fait, on voyait apparaître des petits jardinets en portatif que les gens pouvaient avoir chez eux. Voilà, c'était, toutes ces opérations-là ont fait que, en fait, on a. Il y a des possibilités pour imaginer une interaction beaucoup plus grande. Et d'ailleurs, une des choses, par exemple, sur la représentation des arbres. Par exemple, les représentations des arbres avec leurs racines, c'est une chose très récente. Ça date d'une vingtaine d'années. Avant, on représentait rarement les racines des arbres. Et dans les œuvres et tout ça. Ça, c'est une chose récente. Et alors, Fabrice, donc, vous avez presque un plan de nouvelle urbanisation. Absolument. Et en fait, absolument. Je ne suis pas tout seul, mais l'idée, c'était de En fait, quand on voit toutes ces maisons, justement à Tokyo, quand une maison est achetée, on la détruit pendant 6-8 mois, on la laisse en jachère et on reconstruit quelque chose. En général, c'est ça. Et puis, en fait, ici, il y a beaucoup de maisons moches quand même, non? Donc on pourrait peut-être que ces maisons moches soient libérées et on puisse planter des forêts à la place. Et peut-être même la forme de la maison, avec toutes les ramifications, toutes les tuyauteries, tous les systèmes à l'intérieur, ça ressemble à un arbre. Un arbre, c'est comme une maison. Un arbre de 1000 ans, c'est rare. Une maison de 1000 ans, c'est rare. Un arbre de 100 ans, c'est... Voilà, une maison de 100 ans, c'est pas mal. Et puis, il y a toujours cette équivalence entre l'arbre et la maison qui fait qu'on pourrait imaginer que dès qu'il y a une dent creuse, eh ben, on peut mettre des arbres. Et les arbres tiennent la structure, tiennent les structures. Il y a beaucoup d'endroits où justement l'arbre s'adapte à la construction qui fait qu'elle tienne la construction. Ça se voit très fréquemment. Il ne faut pas avoir peur d'un arbre qui tient une maison. Ça manifeste. Mais oui, ça va changer la face de Paris. Il y a en ce moment une exposition au centre Georges Pompidou qui s'appelle Réseau Monde. Et qui montre un travail d'écologique studio qui reprend la carte de Paris à partir de l'expansion d'un blob. Et donc, et qui montre comment le blob, lui, aurait façonné les rues de la capitale. Donc, une vision plus organique aussi de la ville que ne l'a été celle du baron Haussmann. J'entends Vincent qui voulait rebondir. Oui, juste 2 minutes. Moi, ça m'intéressait beaucoup cette discussion. J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez, Eric. Parce qu'effectivement, je trouve que ce modèle, effectivement, est hyper intéressant. Mais il est adapté aux forêts domaniales qui représentent, je crois, un quart des forêts françaises. Voilà, un peu moins.
Du coup, tout le reste, en fait, elles ne sont pas gérées de cette manière-là. Les forêts publiques. On parle des forêts publiques. Les forêts publiques, ce qui représente un peu moins d'un quart. Et donc, en fait, pour plus des trois quarts, ce n'est pas cette gestion-là. Et donc, bien souvent, ce qu'on appelle forêt des Landes, par exemple, ce n'est pas des forêts, c'est plutôt des plantations d'arbres. Et donc, moi, je disais tout à l'heure, je tiens beaucoup à cette notion d'équilibre entre l'humain et la forêt. Et je trouve qu'effectivement, il y a cette notion d'équilibre qui est donnée par la gestion des forêts domaniales, donc des forêts publiques. Mais si on regarde la balance, avec les trois quarts des forêts restantes, au final, l'équilibre penche bien souvent du côté exploitation forestière destinée à la sylviculture, comme pas appeler ça les forêts des Landes, mais les plantations d'arbres des Landes. Et du coup, on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais je parlais tout à l'heure de cette association pour la forêt primaire. Justement, je trouve que ce serait intéressant, puisque la balance qui penche peut-être du coup un peu plus du côté de l'exploitation forestière pour la sylviculture, avec des initiatives comme ça de zones qui sont d'une sorte de réserve où on préserve le plus haut niveau de biodiversité qui est la forêt primaire, et ben justement cette balance, ça serait peut-être un peu plus rééquilibrée vers le centre. Peut-être que je vais être peut-être un peu consensuel, mais il faudrait peut-être un modèle franco-anglais. Je pense qu'il faut toutes les forêts sont possibles, c'est ça en fait. Il ne faut pas s'obliger à imaginer une seule type de forêt, voilà. Et y a à chaque lieu, il y a des forêts. En fait, il y a des endroits qui sont inaccessibles. Vous voyez, par exemple, quand on tournait sur les autoroutes avec tous les trucs, tous les ronds-points comme ça, il y a des endroits où on n'y va jamais. Oui, tout à fait. Déjà ça. Il y a plein de gens. Et puis il y a des endroits, des îles où on peut pas accéder, des choses comme ça. En fait, je trouve ça formidable d'avoir toutes ces possibilités là. Mais justement, les forêts primaires, il y en a plus. Ah ben, absolument. Il y en a une seule en Europe. Oui, mais d'accord, mais on 1000 ans. Ça va, on a le temps. Oui, mais justement, il faut s'y mettre maintenant. Ah, il n'a pas recruté Fabrice Hibert dans le projet de l'asso, là. Alors, j'entends qu'Éric veut rebondir, et puis on va écouter quelques questions, si vous en avez, car nous allons, dans quelques minutes, en fait, c'était inscrit dans le programme, accueillir un moment musical extrêmement précieux. Oui, juste pour dire que j'ai commencé en parlant du défi de l'ONF pour revitaliser ces forêts qui ne vont pas bien. La solution, ça vient d'être évoqué, c'est la diversité. La diversité des essences, la diversité des âges, la diversité des sylvicultures, le laisser faire la nature. Voilà, ça aujourd'hui, c'est le modèle à conduire pour la forêt française, pour la forêt mondiale. Toutes les forêts sont concernées par les changements climatiques, victimes et solutions, pour être des solutions dans cette perspective d'incertitude où on ne connaît pas l'évolution du climat parfaitement. Eh bien, il faut sans doute, comme je le disais, comme le bon sens paysan, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc produire une forêt la plus diverse possible pour une forêt la plus résiliente possible. Alors la parole est à vous dans le public, sinon j'ai quelques questions. Ah, en réserve, je vois Anne Bentayeb, je salue, voilà, qui dirige la communication de l'ONF, on a de l'ONF, ton titre exact, je sens que je ne le prononce pas parfaitement, pardon. En tout cas, c'est avec Anne que tout ça a été préparé et je la remercie énormément. Donc tu me dis que c'est l'heure, bon. Donc vous n'aurez pas de questions, mais nous pourrons discuter quand même néanmoins. Alors, nous allons maintenant écouter deux femmes exceptionnelles, Olivia Gay et Célia Onetto Ben Saïd, qui vont jouer Le silence de la forêt de Dvorak, ce compositeur tchèque donc, du 19e qui avait déjà créé un nouveau monde dans une symphonie.
Et nous les remercions. Ce sont par ailleurs des musiciennes très engagées dans l'environnement, ce qui explique aussi leur présence ici. Donc nous terminons ce moment ensemble. Merci à tous d'être venus avec... les musiciennes, voilà, arrivent, acclamons-les. Merci beaucoup. Vous voulez dire un mot avant... Oui ? Merci beaucoup d'être ici. Merci à vous. Voilà, ben je voulais me présenter déjà. Je m'appelle Olivia Gay, je suis violoncelliste concertiste et je suis vraiment heureuse et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs l'ONF, Anne Bentayeb qui a programmé cet événement, Antoine Chéret qui s'occupe de la communication et qui m'ont conviée à participer à cette table ronde afin de pouvoir présenter un projet qui m'est cher, qui s'appelle « Le silence de la forêt ». Que j'ai intitulé ainsi en référence à l'œuvre de Dvorak du même nom que nous allons vous interpréter tout à l'heure. Donc je voulais simplement dire que pour moi, vivre avec et dans la nature a toujours été quelque chose de très important pour mon épanouissement personnel mais aussi artistique, qu'aujourd'hui encore j'ouvre mes volets tous les matins sur la forêt de Fontainebleau, j'y passe le plus clair de mon temps libre, seul ou avec ma famille, humains et animaux confondus, que sans elle, je ne serais pas l'artiste que je suis aujourd'hui et que tous mes projets artistiques visent à souligner le lien puissant et ancestral existant entre la nature et l'art. Et que donc j'ai eu l'envie de consacrer un disque à cette forêt que j'aime tant et qui accompagne mon quotidien, qui sortira en septembre. Mais je n'ai pas voulu en fait me limiter à ce simple support qui a finalement assez peu de lien avec tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui. J'avais envie d'être sur le terrain, d'aller jouer en forêt, d'aller jouer des œuvres qui ont été inspirées par elle, d'emmener le public au cœur de la genèse de ses œuvres. Et donc m'est venue cette idée d'organiser des concerts en forêt afin de rappeler à tout le monde à quel point elle est précieuse et que sans elle, le paysage artistique ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, que beaucoup de grandes œuvres d'art d'hier et d'aujourd'hui n'auraient pas vu le jour, que nos instruments de bois n'auraient pas non plus cette sonorité. Et donc voilà, le projet c'est d'organiser des concerts en forêt, aussi de fédérer des artistes venus de tous horizons autour de la forêt. Et nous espérons lever des fonds et les restituer à des associations ou à des fonds de dotation pour la préservation et la mise en valeur des forêts. Mais justement, ce projet est un projet vraiment en construction et on est vraiment heureux de rencontrer un grand enthousiasme de la part de nos interlocuteurs jusqu'à présent. Je remercie d'ailleurs mon équipe de production et communication qui sont ici aujourd'hui et qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Et qu'est-ce que je disais Oui, voilà. Et donc, nous invitons toutes les associations, les fondations, les artistes, les partenaires, enfin tous ceux qui auraient envie de se joindre à cette démarche, eh bien, à prendre contact avec nous. Et voilà, parce que tout mettre en œuvre pour que cette action se développe et puisse servir la forêt comme elle le mérite. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Comme justement dans les recherches scientifiques, les arbres vont également profiter, et tout le vivant de la forêt, et pas simplement les humains, de vos prochains concerts. Merci beaucoup. Nous vous écoutons.